Le 21e dimanche ordinaire de l'année liturgique C, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à nous remailler pour examiner la manière dont nous nous préparons pour avoir part à la vie éternelle. En effet, pour ceux qui croient ici sur terre, car en Jésus, Dieu nous a destinés à un héritage éternel. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu la foi, le courage et la persévérance. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour commencer cette célébration en chantant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille dans sa maison. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié
ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Isaïe demande au peuple de se rassembler pour magnifier le nom du Seigneur. Écoutons cette lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 66, du 18e au 21e verset. Parole du Seigneur. Je viens rassembler les hommes de toutes les nations et de toutes langues. Ils viendront, ils verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux. J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux ou des chariots, en litière à dos de mulet ou de dromadaire. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, comme les fils d'Israël apportent l'offrande, dans des vases purs au temple du Seigneur. Et même je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 116. Après chaque strophe, nous chanterons. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Seigneur, tous les peuples, fêtez-le. L'auteur de la lettre aux Hébreux exhorte les chrétiens persécutés à supporter courageusement leurs épreuves, sachant que Dieu la permet en vue d'un plus grand bien. Écoutons cette lecture puisée de la lettre aux Hébreux au 12e chapitre, du 5e au 7e et du 11e au 15e verset.
Frère, n'oubliez pas cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit, « Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent, et nivelez la piste pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordera pas le pied, bien plus, il sera guéri. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. » Et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu.
Révérend Père Elano Charles, cher diacre, cher enfant de cœur, chers jeunes, fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, frères et sœurs. Qui j'en ai. Ak Jésus n'ap kembe, ak Jésus non bien. Notre Dieu, frères et sœurs, il est un rassembleur. C'est lui qui nous rassemble ce matin, en ce 21e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Il rassemble les hommes de toute race, de toute langue, de toute nation. Il n'est pas le Dieu d'une nation ou d'une catégorie, mais il est le Dieu de l'univers. C'est lui qui donne aux messagers de son peuple de ramener tous nos frères en offrande. Notre Dieu, il est patient avec nous. Il prend du temps pour nous corriger, a dit l'auteur de la deuxième lecture. Quel est le père de famille qui ne prend pas du temps pour corriger ses enfants? Quand on aime quelqu'un, on doit prendre du temps pour le corriger. Qui aime bien, châtie bien. Étant donné que notre Dieu, il ne peut pas nous châtier, on dit qui aime bien, corrige bien. Les corrections, capable de gagner mâchoire gonflée. Les corrections, capable de gagner bouche boudée. Surtout les enfants de mille. Les jeunes de ce jour, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'acceptent pas la correction. L'homme veut corriger, yo, yo bon pour ennemi juré, yo. L'homme veut corriger, yo, yo pense c'est raïu raïu. Qui laisse parent cap raïu petit li? Non. Papa pap raïu, maman pap raïu. Non. Si vous voulez corriger, c'est pour bien ou. Ou pas gagner pour bouder. Parfois, ou bouder pour une correction, y a fait ou. Et pourtant, corriger, y a corriger ou là, c'est normal. Ou t'as pas le tombé, y a retiré ou là dedans. Frère Mio, c'est Mio. Notre Dieu nous aime tous. Il nous donne la même possibilité d'être sauvés. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Demande quelqu'un à Jésus. La question la plus importante n'est pas de savoir s'il y aura un petit ou un grand nombre d'élus, mais c'est de faire ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu. Frère Mio, c'est Mio. Jésus a dit non dans l'évangile, je vous dis, c'est pas valer cap sauver pour nous chercher qu'on est. D'ailleurs, nous ne pouvons jamais connaître les tout. Mais, ce qui est important, c'est battre ou même, Père Séraphin, pour passer dans la porte qui est étroite là, pour qu'on sauver. À la bagaille qui t'a dit papa, ou t'es arrivé dans le ciel là, ou pas t'as une Père Séraphin. À la bagaille qui t'a dit papa, ou t'es arrivé dans le ciel là, ou pas t'a joué une soeur un tel, frère un tel. Jean nèg ça a tes élé. Jean fils ça a tes élé. Frère Mio, c'est Mio. Ou même c'est bat pour entrer dans la porte qui est étroite là. Parce que, porte ça, en pile monde, t'as voulu passer là-dedans. Yo pas capable.
Sœurs et frères bien-aimés, elle est large la porte qui mène à la perdition, à la corruption, à la fausseté, aux débauches, aux plaisirs malsains, pour ne citer que cela. Bref, la porte qui mène à la mort ou à la damnation éternelle. Mais elle est très étroite, la porte qui mène à l'amour, au respect, à la fraternité, à la solidarité, bref, à la vie. Beaucoup de gens veulent y passer, mais ne le peuvent pas, sœurs et frères, dans le Christ. Le Christ nous exhorte à passer par la porte étroite. Ce n'est pas facile d'y passer, car pour y passer, il y a des conditions qui doivent être réunies. La porte étroite est celle qui nous fait des exigences. Ce n'est pas la porte de Jean-Miembon. Ce n'est pas Jean-Miembon. Ce n'est pas la porte étroite là, ça. La porte étroite là, mandeau, yon Jean pour yé. Gentil monsieur, dame, remet-il de yon. Yon Jean pour yé. Ou pas qu'à Jean-Miembon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la porte étroite là, ça. Ce n'est pas la porte chrétien, ça. La porte chrétien doit passer là. C'est porte qui exigeant. C'est porte qui demande pour nous faire des efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, dit Jésus. La porte étroite réclame une volonté décisive et persévérante de vivre selon les valeurs évangéliques. La porte étroite nous fait des exigences pour contribuer à notre salut. Car Dieu nous a créés sans nous, mais il ne va pas nous sauver sans nous, dixit Saint Augustin d'Hippone. Sœurs et frères bien-aimés, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant nous. À nous de faire un choix. Il y a le chemin qui mène à la mort ou à la damnation éternelle et celui qui mène à la vie. D'ailleurs, on ne peut ne pas choisir. Dans ce cas, il n'y a pas de neutralité. Frère mio, sœur mio. Efforcez-vous de passer par la porte étroite, car elle est la porte idéale qui conduit à la vie éternelle, qui conduit au bonheur, qui conduit à la réussite. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement afin que nous puissions faire de bons choix. Demandons au Seigneur de nous aider à éviter le mauvais chemin, le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui pourra nous conduire vers la porte large qui est celle qui conduit à la mort éternelle. Amen. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque invocation, nous chanterons. La prière grand maître pour tout dirigeant modelant, et spécialement si la yo cap dirige pays nous Haïti, si ma et l'esprit bon comprendre nous en sou yo, conseil la vie à boujonner. Ensemble, prenons la prière. Ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit, que Dieu dans son amour apporte réconfort, soulagement et guérison pour ces personnes en difficulté. Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous appelles à entrer par la porte étroite, revivre la foi de notre communauté. Par ta miséricorde, que ceux qui sont loin, mais reliés à nous grâce aux réseaux sociaux, expérimente aussi la joie de vivre et d'être liés à toi. Ensemble, prions le Seigneur. L'année dans le service au grand maître, nous disons merci pour ça au réaliser dans la vie nous. T'en prie, fais l'esprit remis en habiter dans nous pour aider nos travail pour agrandissement groupe là. Comme ça, nous aider l'autre jeune suivre chemin en l'an pour une autre société. Ensemble, en nous la prie. Silence dans fond cœur nous pour nous présenter par bon Dieu grand maître l'intention nous gagne qui plus cher pour nous, spécialement qui plus cher pour jeunes nous dans paroisse nous, dans communauté nous,
jeunes dans le pays d'Haïti, parfois qui prend mauvais chemin, jeunes dans le monde là, parce que l'avenir du pays, l'avenir du monde là, c'est sous dos jeunes qui reposent. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom, pour le salut et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité, de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Église, de l'Esprit. Pour qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en chantant d'une seule voix. Tu es saint, 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 saint,
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
et selon la volonté du Seigneur, ouvrons nos cœurs et nos mains pour chanter, pour prier en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Haïti, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te pas recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Pour ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Nous avons la joie Bonjour, sommes avec Frémio. D'abord, je voudrais commencer par remercier chacun et chacune pour l'accueil communautaire et fraternel. Remercier le clergé paroissial qui m'avait invité à venir célébrer avec la communauté, ce que j'ai fait tout à l'heure, et maintenant à venir vous parler. Non pas pour vous présenter le livre, mais pour vous dire un mot autour du livre. Et moi, dit Père Séraphin, merci de ce que lui permettre dans la célébration, lui présider, que moi-même, moi capable de faire ça. Tout à l'heure, pendant que je chante, je me dis, est-ce que je ne peux pas dire un petit mot qui est dans le livre là, mais à propos de chorale là qui chante. Et puis, le samedi, qui ça pour m'a dit? M'a attiré l'attention sur un bagage qui est très simple. Ouais, tout à l'heure, on a balancé nous pendant qu'on a chanté chant d'action de grâce là. Quand on a demandé nous, qui est dans l'église, l'impossible pour nous balancer koyo, là on a chanté en pile dans nous, pas de réponse là. Non, qui est? Et pas non qui chante. Non, non, non. Alors, ça montre moi vraiment, faut moi tourner, m'a tourner. Alors voilà, c'est que dans l'Église catholique, chant nous commence à chanter, à réitérer les chants vieux romains. Chant vieux romain en vient tourner grégorien. Et grégorien en lui-même, c'est un chant rectotono. Et donc, la donne n'est pas balancée. Donc, quand il y a là, on peut avoir une polyphonie dans l'Église, il peut paraître au XVIe siècle. Mais au XVIe siècle, là, chant polyphonien, il est copié sous chant grégorien, pas balancé. Quand on balance, on peut sortir. Je vais dire, nous, balancé à sortir dans l'alliance qui sortit dans le négoce spirituel, qui pas prend naissance en Haïti, et avec le fait que Kounian là nous gain un mélange avec compas qui en Haïti. Et Kounian là, les en 1959, première fois tambour entré cathédrale Port-au-Prince, tambour en vin bay un rythmique dans chant qui vin faire que Kounian sa négole spiritualité qu'on fait au 19e siècle là nous transposer avec élan qui gagne dans rite qui sorti en Afrique en dans musique en Haïti. Ah, nous pas connait de loin comme ça. Eh ben c'est ça pour nous comprendre. Moi dis nous ça pour nous bien comprendre que dans l'Église catholique toute bagaille yo sort en côté et yo gon sens. Et nous même qu'a célébrer liturgie comme praticien et comme ministre. Ça veut dire chorale là, son ministère li gen en dans liturgie, eh bien, faut chaque ministre en dans célébration
capable de faire travail tellement bien que chaque célébration, yo bay chaque acteur yo 10 sur 10. Et pour ça, moi écrit le livre ça. Pour acteur qui célèbre l'Eucharistie, yo tellement connaît comment pour yo faire ça yo gen pour faire. Jean l'église l'a dit pour yo faire que après chaque célébration, tout le monde dit nous avons été baignés dans la joie qui est vraiment le lieu de la splendeur. Et pour ça, moi écrit livre là et moi porté le ban non boy ici là. Livre là li plus que un livre. Li seyon vademekoum. Li plus que un vademekoum, li seyon manuel. Ça veut dire un manuel c'est un coup un dictionnaire. Ou aller la donne chaque fois où gain besoin. Donc livre là c'est pas un livre pour lire, c'est un livre pour surtout consulter à chaque fois où poser tête ou question sur tel ou tel bagaille. Ou besoin qu'on ait ministère choral là, ou besoin dans livre là. Ou besoin qu'on ait combien chants qui gain en dans célébration la messe là, ou gain là. Ou gain besoin qu'on ait différence qui gain entre chants et cantillation et puis psalmodie, ou besoin ni là tout. Ou besoin qu'on ait comment la messe là lui-même ni répartie historique. Chaque petit détail qui est là donne tant qu'au nom du Père, tant qu'au amen, tant qu'au aller dans la paix du Christ, tant qu'au acclamation, tant qu'au anamnèse, tant qu'au embolisme, tant qu'au notre Père, on vient là donne tout. Donc dans sens ça livre là li bail maximum information qui possible pour communauté la foi dans pays d'Haïti capable connaître comment pour yo célébrer pi bien. Dernier bagaille m'ta dit ce m'a avec frère Mio. Comprendre bien. Livre là gon projet derrière. Projet a m'te dit nous déjà m'a pour dire nous li. Fok nous-mêmes catholiques nous célébrer dans la fidélité de l'église. Et c'est parce que fidélité ça c'est non pas bataille, non pas kembel, c'est pour ça de temps en temps faut nous veiller sur corps nous ou bien reler sur corps nous de façon pour petit bagaille non pas faire bien yo nous ca faire yo bien et vinn faire yo pi bien toujours parce que yon célébration la messe li pa yon répétition donc toute bagaille doit 10 sous 10 la donne et très souvent nous joine gen en pile célébration nou yo gen en pile bagaille qui pa 10 sous 10 la donne yo. Alors c'est dans sens ça moi penser livre ça comme li utile plusieurs communautés la foi, penser li capable utile bon ici lantou. Alors merci en pile de ce que nous t'ai prêté attention à ti causer moi dit tant que moi pas fait présentation livre l'ambé Séraphin, me font petit bagaille si me font faute. On pardonne. Révérend Père, ce Marc Fermoyo, bonjour. Monseigneur, saute présenter nos livres là. Certainement, on a demandé qui prit le livre là. C'est pas vrai? Vous avez demandé qui prit le livre là? Voilà. Monseigneur, son cadeau, il fait nous. Le livre là, en soi, il coûtait 2000 gouttes. 2000 gouttes, il veut dire 400 dollars haïtiens. Mais pour Alta Grâce, pour paroisse là, il n'a pas coûté 2000 gouttes, il a coûté 50%. Donc 50% qui est en payé pour nous déjà, nous avons été 50% seulement pour nous payer. Donc 50% de 2000 gouttes, comment le faire? Voilà, à 1000 gouttes, on est capable de vous tirer un exemplaire. Matin, Monseigneur a commencé à livrer quelques ouvrages. Il y a plusieurs monde qui participaient. Il y a pour nous-mêmes, tout qui est dans mes studios là. Donc, tout de suite après cela, nous allons aller dans la salle paroissiale là qui est tout près du bureau presbytère. Et là, Monseigneur a pris tant de nous. Il y a bien deux ou trois jeunes qui accompagnent le tout pour que nous capables de permettre la livraison faite plus bien. Donc, tout de suite après cela, passer dans la salle paroissiale là pour que nous capables de retirer exemplaires par nous, ouvrages par nous.
Alors, j'aime Monseigneur dire qu'il y a plus qu'un ouvrage, qui sont manuels, qu'on est capable de consulter tout ce qu'il y a besoin dans l'étudiant. Je dis à tous ces fêtes, liturgie junior, et puisque le livre-là, il parlait de liturgie, on connaît que beaucoup de gens sont riches. Ça veut dire qu'ils ont compris ça, on va dire. En pile là-dedans, on va retirer plusieurs exemplaires parce que le bon pour eux, c'est consultation. Le livre, ça, on est capable de consulter à n'importe quel moment. Surtout le monde qui est dans le comité liturgique, le monde qui est dans le choral, le monde qui est dans le groupe, le comité. Et nous-mêmes, nous fidèles, qui avons aimé approfondir connaissance nous concernant liturgie l'église là. Donc déjà, on a fait ça en ordre, on va aller après la messe là, après on va aller dans la salle paroissiale là pour que nous capables de retirer exemplaire par nous. Avant de venir, ou bien avant de retourner dans groupe comité liturgie junior, on a commencé par quelques annonces pour jeûner et puis m'a parlé de liturgie après. Jeudi à dimanche 21 août, nous dit que c'est 20 signatures, le dernier livre, Monseigneur Patrick Harris, il écrit plusieurs livres. Ça, c'est pratiquement le 12e livre que il écrit. Et le 20 signatures-là, il fait jeudi, il a continué jeudi. Et titre-là, j'en ai appris là, c'est Splendeur et Joie. Pas oublié, depuis 3 août, je fais fondation paroisse-là. L'église a lancé, ou bien paroisse a lancé, il y a un RAF. RAF-là, c'est 25 primes qui sont capables de gagner la donne. Et le premier prime, non, c'est une belle machine bleue, Aval 2021. Nous sommes capables d'acheter un billet, acheter plusieurs billets, ou bien acheter 25 billets pour capable gagner 25 primes. On ne sait pas. Pour acheter 25 billets et pour tirer, là, on gagne toutes 25 primes pour votre port. Demain, lundi, 22 août, c'est fête de la Vierge Marie Reine. Vierge Marie Reine a bien messe aux heures habituelles, a bien messe 6h, 7h. Messe en semaine tous les jours, 6h et 7h, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement et de la méditation du chapelet. Et à 3h, gagne prière divine miséricorde. À 8h du soir, a gagné la prière du soir comme d'habitude. Donc, au même qui va capable présent dans l'église là, pour activité ça yon, vous capable de suivre sur YouTube, Facebook, donc sur Radio Télé Alta Grâce. Nous encourager toutes fidèles qui n'est pas capable là, qui est toujours branché RTA. Nous remercier toutes fidèles tout, qui pas seulement abonné, mais qui fait l'autre monde abonné, qui fait amis abonné. Donc merci en pile parce que nous connaissons assez pour nous, c'est nous pour encourager mon abonné et là que nous recevons prière yon pour que nous capable partager avec mon yon qui pas là. Puis au même tout capable brancher. Non, côté oui, il y a une activité de l'église. Non. Samedi 27 août, c'est mémoire de Sainte Monique. A bien, donc journée, c'est journée toute de prière et de louange. Dimanche 28, c'est le 22e dimanche ordinaire. Et tout près nous là, dans le monde Lazare, c'est fête Saint-Augustin. Inscription pour l'école La Foi. Donc, on est l'école La Foi. C'est une école qui aide fidèles à gagner plus de connaissances dans l'église. Là. Donc, l'école La Foi, il y a inscription pour lui parce que nous avons commencé à partir du moment où l'école est ouverte, moment l'école normale est ouverte. Donc, on a tout commencé avec l'école La Foi. Donc, pendant toute semaine, nous sommes capables d'inscrire pour l'école La Foi. Aider un petit monde à aller à l'école. Bay participation non pour un petit monde donc on est quand pile petit monde pas galarer pas galardu qui pas cal l'école donc pile fidèle c'est comme ça yo manifester que content yo reconnaissance yo à bon Dieu les aider un frère yo un sœur yo bien un petit monde aller l'école donc ou capable toujours aider ou capable toujours payer l'école pour deux ou trois petits monde donc nous recevoir aide ça yo si vous avez envie vraiment aider un petit monde nous capables de jeûner avec un pain dans le clergé pour que nous capables de dire mes premiers mondes que nous avons aidé, mes premiers petits mondes que nous voulons payer, donc nous sommes bien contents, puisque nous connaissons l'école presbytérale là, c'est pour ça, c'est aider plus de monde à aller à l'école. Donc, on est capable de supporter dans ce sens-là, nous sommes contents pour être capable de supporter
aider un petit monde à aller à l'école. Il y a une inscription pour jeunes monde avec adultes qui ont besoin de baptiser, communier, confirmer. Donc tout le monde qui t'a aimé baptiser, qui peut pas baptiser, qui t'a aimé baptiser, qui t'a aimé communier, qui t'a perdu la communion, yo, donc qui voulait reprendre la communion, yo, qui voulait confirmer tout, gagner formation, pour yo gagner inscription, pour yo d'abord, après pour nous capables de lancer formation. Inscription pour l'école professionnelle Notre-Dame d'Altagrâce, cuisine, pâtisserie, etc. 23 au 25 août, à partir de 4 p.m., c'est pour la mission paroissiale à Delma 33, rue Kernizan. Il y a un centre professionnel Notre-Dame d'Altagrâce qui lance l'inscription pendant le mois d'août, pour août 2022. Ça. Mission 1, c'est pour former 50 intéressés pendant 6 mois avec un niveau international dans la discipline infographie, montage vidéo, vidéographie, création de sites web. Nous sommes capables de passer inscrits pendant tout le mois août. D'ailleurs, nous avons commencé récemment avec quelques avec formation. Donc, un monde qui est intéressé, qui est arrivé. Jeune formation dans infographie, montage vidéo, vidéographie, création de site web, nous sommes capables de passer dans le presbytère ou bien jeune avec une technicien, jeune avec Abelando. Donc, nous sommes capables d'inscrire. Donc, fait partie du groupe ça. Inscription, c'est 500 gourdes. Et durée, c'est 6 mois. Et on a besoin de documents avec logiciel. Et on a un stage que vous êtes capable de faire après formation dans la radio Télé Altagrâce, mais surtout pour lauréat. 31 août au 29 septembre, c'est une trentaine de prières aux saints archanges tous les matins à l'église ou sur la radio Télé Altagrâce. Je demande mon Dieu par l'entremise Saint Archange Jo pour que Saint Michel Archange capable de défendre nous, Saint Gabriel capable de porter des messages pour nous et Saint Raphaël capable de guérir nous. Donc, il y a un qui t'a aimé pour commander la messe pour trentaine de ça, il y a un qui passé dans le bureau presbytère ou bien relé à partir du numéro que nous avons passé sur l'écran pour capable de commander la messe pour trentaine de ça. Donc, c'est tout à l'heure que nous gagnons. Nous connaissons là, c'est groupe d'étudiants junior. Nous connaissons dans l'église là, dans la paroisse là. Il y a deux groupes de liturgie. Il y a une liturgie senior, grand, et puis il y a récemment un groupe de liturgie junior. Donc il y a une pile célébration que nous faisons. Senior n'est pas capable de compter, parce que la célébration est en pile sur tous les dimanches. Nous avons pratiquement 5 messes. Une messe veille dominicale, samedi soir, surtout dans la chapelle de Madlepio, et il y a 4 messes dimanche. Il y a un pile. Mais ça fait, le groupe liturgie junior, il vient de porter un renfort à groupe senior. Là. Yo, je dis, il fait un an depuis que je mettais en service par là. Et j'en ai dit, en junior, c'est un paquet jeune. C'est jeune qui l'école, qui pratiquement, non, à partir de septième année fondamentale, à X. NS3 NS4. Donc, vous même yo là pour que vous capable de travailler, surtout dans la messe 8 heures. Nous avons manqué pendant un an, comment ça y est? Vous lisez très bien, vous lisez extrêmement bien, vous respectez les normes liturgiques, yo, parce que vous prenez formation avant que vous capable de lire, avant que vous capable de faire groupe ça. Et ce n'est pas seulement lire qu'on lit, donc je dis à nous saisir pour nous faire ça, vous chanter. Très bientôt. Chantez extrêmement bien, avec une belle voix. Et autre chose, ils sont très belles. Ils sont belles en pile. Uniforme, ils sont belles. Ils chantent bien. Ils lisent bien. Ils boivent. Ils peignent bien. Donc, voilà. Ils sont belles. Ils sont belles. C'est vraiment un bel petit groupe. Un groupe jeune. Donc, c'est toujours bien. Là, que nous insérer jeunes. Ils sont dans l'activité de l'église. Là. Encouragez-vous pour la prière, encouragez-vous pour être capable de suivre ce message, parce que puis gros cadeau ou capable de bailler ce monde. Donc, parole bon, Dieu va aller de façon capable de sanctionner vous, je ne vous dis rien, qui aime bien châtier bien. Mais puis, belle direction, quand on va bailler ce monde dans tout, c'est direction de l'église, c'est intégrer vous dans l'activité, de l'église. Là, quand ça a grandi selon le principe bon Dieu, selon Jean-Mont Dieu. Avant que nous passions. La parole.
parole par la coordonnatrice, la coordonnatrice. Nous saluons Parrainio avec Marrainio. Donc, il y a deux Goumoun qui a voué Jésus de près. Il y a Mme Rosaline Toussaint, qui est Marraine Gouplan. Et puis, il y a Frère Fefe, qui n'est pas capable là. Donc, Mme Rosaline est là, non, mais cela. Mais Fefe, malheureusement, il n'est pas là, parce qu'il n'est pas dans le pays. Hein. Mais c'est eux-mêmes qui accompagnent les jeunes Sayo, et puis près yo, pour capable leur activité pour faire, hein, pour capable accompagner yo, jeunes conseils, quelquefois critiques, tout pour capable avancer. Donc, c'est Marraine et Parraine qui accompagnent yo. Alors, donc, pour nous finir net, nous voulons dire bonne fête, pendant que nous allons battre un beau bravo pour vous. Après temps. Merci. Nous appelons Yvna Dayo, coordonnatrice groupe là, pour être capable de dire quelques mots, un petit mot tout court, avant que Père Séraphin ben nous bénédiction. Que les œuvres du Seigneur soient grandes et belles. Monseigneur Patrick Harris, révérend Père, fidèle et internaute de la RTA, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, dans un esprit de communion fraternelle, nous nous sommes réunis dans le sein de cette église sous la protection de notre chère mère Notre-Dame d'Altagrâce pour célébrer cette Eucharistie. Au prime abord, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Seigneur, car si nous sommes ici à présent, c'est grâce à lui. Cela fait déjà un an que le groupe Liturgie Junior a commencé sa grande aventure. Un an de joie, un an d'amour, mais aussi de sacrifice. D'une façon prodigieuse, nous lançons une motion de gratitude au clergé de la paroisse, plus précisément le révérend père Jean-Anaël Bonhomme, qui a eu l'idée de fonder ce groupe liturgique pour les jeunes de la paroisse. Mon père, merci pour ton soutien et tes conseils. Du fond du cœur, mille merci. Père Séraphin Constant, merci pour ton message qui nous a édifiés ce matin. Nous ne pouvons pas oublier le révérend Père Sénal Normil, qui a eu le temps avant son départ de nous soutenir dans le cadre de notre formation. Cher Père, où que vous soyez, recevez nos sincères remerciements. De plus, nous remercions les séminaristes qui nous ont aidés à former les nouveaux membres. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci. Nous tenons à remercier notre parrain et marraine, M. André-Yves Fefe et Mme Rosaline Toussaint pour leur accompagnement. Chers parrain et marraine, le groupe vous en remercie. Je tiens à remercier nos pionniers et tous ceux qui nous ont rejoints au cours de cette année. Merci pour votre engagement, votre courage et votre sens d'église. Soyez certains, Dieu vous le rendra. Merci à vous. Merci à nos chers musiciens, plus particulièrement à Maestro Lexiné, pour leur accompagnement musical qui a exalté la cérémonie. Merci de tout cœur. Enfin, un grand merci à vous qui a été présent dans cette célébration eucharistique. Merci. Yeah.
du clergé de la paroisse, mon nom personnel, je dis un grand merci au révérend Père Elano Charles qui a concélébré avec moi. Il est prêtre du diocèse de Jacmel. Alors il est de passage dans la communauté. Il est venu concélébrer avec nous. Mon Père, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci pour votre sens d'église. Merci à notre cher diacre, diacre Lamont, qui a diacre Valère, qui a proclamé pour nous l'évangile. Merci à vous, chers jeunes. Mes conseils pour vous, laissez-vous corriger par les parents. Pas non seulement les parents, mais laissez-vous corriger par les autres, les plus grands, les personnes avisées. Nous avons gagné, mâchoire gonflée, les bons conseils, les tirer les oreilles, non. Mais il n'y a pas tiré les oreilles pour arracher les oreilles là, mais il y a tiré les oreilles là pour les oreilles qui ont faim. Pour nous capables de passer n'importe qui étroite là. Si nous avons besoin d'une autre société, il faut nous gagner une autre jeunesse. Parce que si nous avons dit, grand monde demain, avenir pays là, avenir l'église là, c'est sous jeunes et sous deux jeunes qui reposent. Jeunesse nous gagne, c'est pays qui a gagné dans 10 ans, dans 20 ans. Jeunesse nous gagne, c'est l'église qui a gagné dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, laissez-vous corriger par les autres. Efforcez-vous pour passer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car la porte large, elle est celle qui conduit à la perdition, qui conduit à la damnation éternelle. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.